Eh bien, on va justement recevoir Jean-Michel Sèvres sur ce plateau. On l'appelle et il va nous rejoindre. Jean-Michel Sèvres, le plus grand pongiste de tous les temps, le voici. Le voilà. Venez Jean-Michel, asseyez-vous. Jean-Mi. Bonjour. Oui, alors. Bonjour, Jean-Mi. Ta gueule, l'arbitre. Tu crois où? On n'est pas au foot ici, hein? Il y a un baraki ici. Bon, attention. Alors. Il n'y a même pas de filet ici. Hey, ça va mal à la RTB. Hein. Ça va très mal. Bon, alors, Jean-Mi. Attends. J'ai jamais pu le saquer, celui-là. Il a toujours préféré commenter les matchs de football, les mauvais matchs de football, plutôt qu'un bon match de tennis de table. Ça, c'est lui, ça. Hein. Pourtant, j'ai été numéro un mondial. Hein. Bon, dites, vous êtes dur avec Thierry, parce que c'est pas lui qui décide de la programmation. Hein. Et je vous signale que Thierry Luther sert... Ah, stop ah. Qu'est-ce que vous faites? Il fallait pas être prêt, là. Qu'est-ce que vous faites? Tu viens de me dire que tu me signales qu'il sert, donc moi, je... Mais non, je... Pas qui va servir, qui sert le... Oui, attention, Mais non. Attention, position de réception de service numéro 47. Technique nippone dite du buffle constipé. Tchao. Oui, ça va. Bon, alors... Ah non, c'est la meilleure, celle-là. Hein. Ça, tu ne fais rien avec. Non, bon, alors... Calmez-vous. Non, j'allais dire... Regardez la vidéo. D'ailleurs, à l'époque, quand j'étais numéro un mondial... Non, j'allais dire qu'il sert la RTBF depuis 1982, voilà. Ben justement, l'année où j'ai été champion numéro un mondial. Voilà. Et devant tous les Chinois, donc. Exactement, ouais. Et j'ai battu tous les Chinois. Il n'y en a pas un qui a décidé de me racheter. Hein. Ils n'y connaissent rien en commerce. Ces gens-là. Bon. Dites. Excusez-moi. Je peux vous demander, vous ramenez. Est-ce que vous ramenez. Je sens que vous êtes au taquet, oui. Alors, est-ce que vous ramenez toujours tout au ping-pong? Ping-pong. Tennis de table, ça c'est noble. Hein. Oui. Ping-pong, c'est juste un nom idiot donné au bruit que ça fait sur une table. Ping-pong. Ça va. On n'est pas ping-pong, hein, tennis de table. Non. Pourtant, à l'époque, j'étais du vrai mondial. Hein, oui, non, c'est vrai. Ping-pong, c'est le bruit que ça fait. Oui. Mais regarde pas comme ça, je te dis que c'est le bruit que ça fait. Mais non, je sais bien. Quand tu regardes un grand prix de formulaire, tu ne dis pas, je regarde. Non. Tu dis, je regarde un grand prix de formule. Oui, c'est ça. Ne vous énervez pas, bon. Quand tu regardes un match de football. Oui. Tu ne dis pas, je regarde. Aïe, 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 monsieur l'arbitre, j'ai mal aux cheveux. Non. Non. Tu ne dis pas, où est ma sextape? Non, 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 J'ai compris, hein. Ne vous blessez pas. J'ai compris, hein. Bon, alors, Jean-Mi, on va revenir sur votre palmarès exceptionnel. Est-ce que tu as dit que j'étais numéro un mondial? On le sait. Vous êtes aussi connu en Chine que Adamo est connu au Japon. Donc, Adamo connu au Japon. Et demande à n'importe quel Japonais s'il connaît Adamo, il va dire j'en ai jamais mangé. Hein. Ou mieux, il te dit c'est la deuxième à droite derrière l'escalier. Oui, Moi, j'ai été reçu au Palais Royal plusieurs fois. Hein. C'est vrai, et vous avez été félicité par la reine Mathilde. Oui. Elle m'a souvent confondu avec Philippe Gilbert. Ah bien. Ces gens qui n'y connaissent rien au sport. Ça. Me confondent-moi avec un tennisman. Philippe Gilbert, c'est pas un tennisman, c'est un cycliste. Ah, ce n'est pas un sportif. Attendez, le vélo, c'est exigeant comme sport. Hein. Vous n'avez jamais vu le Tour de France? Tour de France, c'est grand. Tour de France. Allez faire du tricycle à moteur au bois de Juillet avec des copains pour faire une randonnée. Il n'y a aucun sport qui arrive à la cheville du tennis de table. Bon, le judo, par exemple, le judo. C'est exigeant, le judo. Oui, le judo. Le judo. Allez faire de la bagarre en pyjama, pieds nus, sans pouvoir donner une baffe à ton adversaire. Ça c'est noble. Ah, oui. Bon, vous m'énervez. Oui, je t'énerve. Oui, bon, alors, au tennis de table.
Je vous signale, parce que je vous sens un peu émoussé. Hein, je vous sens un peu émoussé. Et je vous sens même capable de vous prendre un 7 sur une partie, hein, vu votre âge. Hein, donc... Et qu'est-ce qui va me le donner? C'est toi, peut-être. Attention. Ben évidemment, oui. Hein? Je vous dis que je vous prends un 7 au tennis de table. Écoute pas bien. on peut tester. Hein, vous me défiez. Ah ben, une humiliation de plus ou de moins dans ton émission, ce ne sera pas la première fois. Hein. D'accord, on y va alors. On y va. Allez-y, il y a une table du chemin. On y va alors. Il y a une table de ping-pong qui est prête pour vous. On y va alors. On va assister au match. Jean-Mi! Ce qui se passe dans cette émission est surréaliste. Attends, une seconde. Tu veux jouer au show boulette avec moi, tu vas finir en sauce lapin. Attends, une seconde, on va se concentrer. Fermons les yeux deux secondes. Fermons les yeux deux secondes et concentrons-nous, hein, d'abord. Fermons les yeux, quoi. Allez, fermons les yeux deux secondes. Fermons les yeux, Cody. Fermons les yeux deux secondes. Voilà. Je te dis quand tu peux les rouvrir, hein. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Concentre-toi, hein. C'était pas dans le texte. Allez, tu peux les rouvrir. Jean-Mi. Ça va? Jean-Mi. Et grand. Tu peux les rouvrir, grand. Tu peux les rouvrir, grand. Jean-Michel Serre est avec nous sur le plateau du Franck Actus. Elles vont l'affronter maintenant, Cody. Cody, vous pouvez. Allez, une balle, les gars, une balle. Jean-Pierre! Allez, il faut jouer et Thierry doit commenter le match. Thierry, un petit commentaire de ce match. Service pour un Cody. Attends, 0-2. Cody remonte son short, c'est un signe. Il a l'œil du guerrier. L'œil du tigre. Allez! Jean-Mi pousse la balle sans plus. Hein, c'est exigeant. Hein. Jean 0-3. Ah, 0-4. 0-5. On rend l'antenne à combien? 0-1. Très rapidement. Est-ce qu'on rend l'antenne? Allez, dernier point, les gars. Dernier point, je vais faire la technique du suçon pékinois. Bravo. Merci pour ce match, les copains. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci aux deux Jean-Mi. Et je vais demander à Jean-Michel Serre de venir nous rejoindre. Merci Cody pour cette belle prestation. Et Jean-Michel, venez vous asseoir, venez près de nous. Merci beaucoup. Jean-Michel Serre. Ah, ça nous fait plaisir.